Qu'est-ce que je vous sers bon, là, la frite? Moi, un homme steak aussi grand que ça, je peux non, pas. Non, mais vous en faites la moitié. La moitié, pas, oui. La moitié. C'est pas de problème. Ça va, à part ça? Ça va, ça va. Il faut le faire. Il faut dire qu'on le voit bien. Ah. Et là, c'est pas fini l'hiver. Malheureusement. Bonjour Monsieur le Boucher. Bonjour Madame. Alors Boucher d'Olette. Voilà, tout à fait. Tu fais la tournée des Garrotes. Oui. Le mercredi matin. Le mercredi. Alors racontez-nous un petit peu cette viande, d'où elle vient? Alors la viande, en ce qui concerne le bœuf, nous travaillons avec un ventre de l'Ariège. Le bœuf de l'Ariège, le cochon et le veau. On travaille aussi l'agneau catalan, bien sûr. Et après, alors les saucisses, alors c'est fait artisanalement? Alors tout est artisanal, tout est fabriqué à Olette. Nous avons la charcuterie fabriquée à Olette, à l'ancienne, comme à l'époque de M. Falcou, que les gens connaissent très bien, puisqu'il a tenu la boutique plus de 40 ans. Voilà. M. Falcou était l'un des meilleurs charcutiers de France, puisqu'il a été diplômé, Mercure d'or, et on a repris toutes ses recettes. Voilà. D'accord. Je vais faire un petit tour là. Voilà, on a une petite gamme, bien sûr, à l'heure actuelle. Hein. Et l'été, on était là, on a 37 produits de référence. Vous passez dans tout le canton d'Olette? Oui, alors, les tournées, ça se situe comme ça. Bon, le mercredi, ça concerne les gars, c'est-à-dire le mercredi, on fait Marianne, Soignas, on fait Sansa, Rayeux, Codiès et Gatébian. Ça, et on le double à partir du mois de juillet, le samedi. On fait deux fois semaine, mercredi et samedi. Ça, à partir du mois de juillet jusqu'au mois de septembre. Après, le jeudi, on fait là une plus petite tournée, on fait Escarot, Corneilla, Fuyos et Castel. Voilà. Mm-hmm. Et le vendredi, alors là, on retourne sur Fontpédrouse, on fait Presse-Balaguer, Saint-Thomas, Thuès et Vol. Voilà, ça c'est les tournées de semaine. D'accord. Voilà. C'est bien, de plus en plus de tournées donc. Voilà, de plus en plus de tournées, oui. Les gens commencent vraiment à apprécier les choses. Bon, et ils ont quand même, on apporte une viande de qualité. Hein. Et puis de la proximité aussi. Hein, voilà, la proximité, voilà. Parce qu'il faut dire que quand même, dans ces petits villages, les gens sont un petit peu éloignés de tout. Voilà, et maintenant, bon, ben, on va se retrouver, bon, ben, on a l'épicier, on va avoir le boucher, on va avoir certainement le boulanger. Voilà. Super, super. Très bien. Bon, ben merci, alors, à bonne continuation. Et bien, à vous aussi. Bonne continuation de tournée. Très bien.